Ah, le chocolat, c'était 250. Oh! Là, j'ai 350, donc on laisse 100. Je cherche toujours le soleil. Ah. Bah, nous, ça va. Chaudement, et toi? Et ben, nous aussi, ça va. Oui, ça oui. va, ça va. C'est pas foufou, c'est pas comme hier, mais. Ça va. C'est bien. Voilà notre chocolat. Ah, il pleut. Ben, nous, il y a eu de l'orage. Il y a eu de l'orage cette nuit. Mais là, ça va. Je vais vite fermer la fenêtre, ça commence à gronder ses lèvres. Hello. Eh ben, ça va bien, et vous? Trop chaud, non, il faut pas dire ça. Il fait jamais trop chaud, on va pas se plaindre. Tu fais la recette de truc préféré de mon père, en plus. Oui, là j'ai rincé, enfin Adrien a rincé le moule et j'essuie bien parce que, comme c'est pour faire les coques au chocolat, si elle flotte, ça va pas bien marcher. Ça va pas bien le faire, hein. Oui, après, c'est sûr que quand c'est du jour au lendemain comme ça, on a du mal à s'y faire, mais on va pas se plaindre quand même, n'est-ce pas? Très appétissant, la box charcuterie. Oui, effectivement. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de guimauve, donc d'ourson guimauve. Donc pour ça, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On a 250 g de sucre en morceaux que j'ai déjà mixé là au robot. Donc je vous ai épargné le bruit en le préparant déjà avant. On aura besoin de 5 feuilles de gélatine, 2 blancs d'œufs et... où est-ce que j'ai mis là? 250 g de chocolat. Voilà, c'est tout. Donc là... Je vais commencer par faire ramollir ma gélatine dans de l'eau. Donc, je vais remplir mon petit récipient. Bonjour. Alors. Donc, 1, 2, 3. N'hésitez pas à tapoter. Trois, quatre et cinq. Hop. Donc ça, on va mettre de côté. Voilà. Il est à 46 euros Périne. Eh bien écoute Cléa, c'est une bonne question, je ne sais pas. C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu ça dans la recette. J'ai même dit à Adrien, j'ai dit mais pourquoi du coup je ne peux pas mettre du sucre en poudre? Et du coup je me suis dit bon je vais mettre du sucre en poudre. Et après je me suis dit non, ben, s'il marque sucre en morceaux c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Donc du coup, je sais pas, mais vu que je voulais vraiment suivre la recette, parce que c'est une recette, je vous le dis honnêtement, qui me fait un peu peur,
parce que j'ai jamais fait et ça me paraît un petit peu délicat à faire. Donc je me suis dit, je vais vraiment suivre au millimètre la recette. Donc j'ai quand même fait comme ils avaient dit. Donc après, oui, je pense que c'est au niveau du grain parce que ça n'a pas du tout la même texture que le sucre en poudre. Donc je pense que c'est peut-être ça, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai juste suivi la recette. Voilà, comme ça, on est sûr. Donc du coup, évidemment, hein, ourson guimauve, donc moulourson, forcément, voilà. Donc nous, c'est pas les petits oursons comme on trouve au magasin, ça va être des bons oursons bien gourmands. Donc je vais le mettre de côté. Je vais commencer par faire fondre le chocolat au micro-ondes, dans le bol micro-ondes. Donc on va le faire en plusieurs fois, comme d'habitude. Voilà, parce que le but quand on fait fondre du chocolat, c'est de ne pas le faire fondre tout de suite, genre 3 minutes. On fait petit à petit pour pas que le chocolat brûle. Le final va être délicieux, bah, j'espère en tout cas. Donc du coup, là, j'ai mon sucre en poudre que j'ai déjà mixé. Là, on va pouvoir rajouter les blancs d'œufs. Donc du coup, c'est 2 blancs d'œufs qu'il nous faut. Hop. Oh, merci Delphine. Hop, ça, je vais le mettre par ici. Bon, on vient de commencer, donc pas de soucis. Voilà, donc les blancs d'œufs sont prêts. Donc là, je vais juste changer l'accessoire. Donc là, j'avais du coup l'Ultra Blade. Donc, je vais changer et mettre le fouet. Hop, donc une fois que j'ai mis le fouet, j'ajoute mes blancs d'œufs. Alors je sais pas si vous voyez, je vais avancer comme ça. Voilà. Donc là j'ajoute les blancs d'œufs. Hop. Et pour une fois, j'utilise le robot. Mais là, il faut monter en température. Donc, c'est vrai que du coup, c'est plus simple. Donc, je vais mettre en programme manuel. Alors, enfin, mode manuel. Donc, en vitesse 3, 90 degrés. Pourquoi je ne peux pas monter la température? Là, ça commence à cogner dehors. Hein. Ah ouais? Le soleil est arrivé là. Oh, on entend le... Oui, je me suis entendu aussi. Ouais, c'est rare. Mais là, comme dit, vu qu'il faut monter en température et tout, c'est plus simple que si je sors la plaque et je vous le fais là. Donc là, j'ai mis vitesse 3, 90 degrés, 3 minutes. Voir ce que ça donne. Je vais remettre un petit peu le chocolat fondu à fond. Ouais, mais j'ai regardé, ouais, c'est sûrement le calibre grain. Des grains. Mmh. Ouais. Oui, parce qu'il est plus épais là. Ouais, justement, c'était pour éviter que la guimauve elle soit trop liquide, peut-être, je sais pas. On verra. En tout cas, on croise les doigts parce que vraiment, je suis pas sûre de ma recette. J'ai vraiment peur. J'étais stressée avant le live. J'ai dit à Adrien, j'ai dit oh purée, j'ai pas envie de la faire. Ah, j'ai trop peur. Henri m'a dit, bah sinon fais-la demain, t'en fais une autre aujourd'hui. Et j'ai dit, bah non, au final ça changera rien, j'aurais peur demain, ce sera pareil. Donc autant se lancer, et puis on l'a fait, et si c'est loupé, bah on saura, voilà. J'ai une autre arme, ça fait encore le jeu.
Et si toi qui as fait un rec, c'est moi qui me sens mal. J'ai été petit peu. On a pas beaucoup de minutes. Bah, on a vite aussi les trucs. Ouais. Donc là, je prépare le fouet parce qu'après, on va du coup badigeonner nos empreintes avec le chocolat fondu. Je vais d'ailleurs regarder où ça en est. On va mettre en. Oh. J'ai vraiment envie de retourner faire la moto tout à l'heure. Oui, dans le côté, c'est bien. Ma statue, elle est repris là. Laquelle? Bah la bouche en bout. C'est quand même incroyable d'avoir la peau à l'ustensile, mais de ne pas avoir les ustensiles. Elle n'est pas dans le tiroir à droite. C'est pas, là, c'est pas celle-là, là, tout de suite, là? Ouais. Non. Ah non, je veux. Ouais. Elle est lourde. Oui, croisez les doigts. Qu'est-ce qui me fait peur? Eh ben, que ce soit une recette que j'ai jamais faite, que du coup, il y a des trucs assez précis à faire et... T'as allumé le four, ton chocolat? Et voilà. Ah non, chocolat, tu fais fondre au micro. Ah oui, d'accord. Donc après, c'est pas que c'est forcément compliqué, c'est juste que comme toutes les recettes, quand c'est la première fois, ben on est un petit peu plus stressé que d'autres, c'est tout. Oui, je fais tout maison, oui. Enfin, le maximum. Quasiment. Donc là, je mélange un petit peu le chocolat pour faire fondre les petits morceaux qui restent. Donc là, du coup, on va ajouter la gélatine essorée. Hop. Ouais, c'est chaud. T'as pas tout pris, hein, là, au fond. Oui, je sais. Ah. L'ourson, 40... Non, 46 euros, le 46 euros, tu l'as dit avant. Et si c'est votre première commande, vous pouvez bénéficier de 5 euros de remise en ajoutant en mail parrainage influence.gourmande@gmail.com. Et surtout, n'hésitez pas à m'ajouter en tant que conseillère lors de votre passage de commande. Donc, vous avez juste à taper Laura CZA et vous tombez sur mon profil avec mon nom et mon prénom entier. Voilà, donc là, j'ai ajouté la gélatine. Et on va remettre 2 minutes à 90 degrés. Toujours en vitesse 3. Cuisiner du chocolat avec un haut blanc chapeau. Eh ouais, on aime les risques. Tu n'as même pas mis ton habit. Non. Donc là, je vais juste un peu décaler ça pour que vous puissiez voir ce que je fais. Hein? Tu vas pocher? Non. Bah non. Le compagnon, oui, c'est comme le Thermomix. Après, je crois que le Thermomix, il fait en plus... Balance. Balance, ouais. Mais il y a moins la cuve, la cuve est plus petite, par contre. Combien d'ourçons? Quoi? Ça fait combien d'ourçons? 12. Ah, tu fais tout le moule du coup? Bah, normalement, je vais voir si j'ai assez. Donc là, on badigeonne bien. Il faut quand même que la coque soit assez épaisse. Laura, future youtubeuse. Je fais déjà des vidéos sur YouTube. Hein. Ah ben d'accord. Donc là,
fais au pinceau pour bien mettre dans toutes les extrémités. Après, vraiment, on n'hésite pas à faire une bonne couche. Moi, c'est ça, vous voyez, qui me stresse aussi un peu. C'est qu'au niveau de la coque, qu'elle ne tienne pas suffisamment. Moi, j'ai réussi la crème et yaourt maison. Ah, top! Avec la Borealia, le yaourt? Pour ta coque, fais une couche, congèle 5 minutes et une deuxième. Oui, c'est ce que je pensais faire. C'est ce qu'ils conseillaient aussi de faire. Ils ont dit soit en faire une épaisse et la mettre au congèle, soit le faire en deux fois. Ce qui est chiant, c'est que le chocolat, il va vite durcir si je me dépêche pas. Après, il y en a qui font différemment, hein. Il y en a qui versent directement le chocolat dedans et ensuite retournent le moule pour enlever l'excédent. Moi, je sais que bon, je ne suis pas trop habituée à faire comme ça. Merci pour le follow, Sabrina. Il durcit déjà un petit peu, hein. Mmh. Oh, c'est la moitié, ça va. Mmh. Tu speed. Bah, si on avait un deuxième pinceau, je le ferais aussi, mais... Coucou! Oui, hier, ça a été très très bien. C'était vraiment cool, on a fait un loto. Donc, j'ai annoncé les petits numéros au micro. Ensuite, on a pris le goûter. Ensuite, j'ai parlé avec une petite mamie, on a marché un petit peu. Elle m'a fait rire d'ailleurs, la petite mamie était trop marrante. Les empreintes. Ah bah c'est gentil, Emeline. Il faut que je relance le robot. En tout cas, ça faisait un moment que je voulais la faire, cette recette, et c'est vrai que je ne me suis jamais lancée. Et puis là, je me suis dit, allez, faut la faire. Hein. Une fois qu'on a fait une fois, c'est comme les entremets. Je suis toujours un peu frileuse, en fait, de les faire. Mais une fois qu'on y est, puis qu'on le fait, on se rend compte que non, ça va, c'est pas... En fait, c'est des recettes, c'est pas long, mais c'est que, voilà, il y a pas mal d'étapes. Et le but, c'est de pas se foirer, quoi. Bah moi, je regarde beaucoup sur Guy de Marle, hein, mes recettes. Tout simplement. Parce que du coup, on a des recettes de chefs. Après, il y a aussi des recettes que d'autres conseillères postent. Hein. On poste toutes, en fait, nos recettes.
Moi, j'en ai posté aussi, tout ça. Mais c'est souvent les chefs dits de Marne, en fait, qui postent des recettes test avec les moules. Donc, du coup, c'est sympa. On a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est un site ouvert, hein, je vous l'ai déjà dit. Quand vous achetez vos moules, vous pouvez très bien retrouver toutes les recettes sur le site. Hein. Ah, Anne Hidalgo qui va se baigner dans la Seine le 15 juillet. Ah, c'est cool. Et pour montrer que la Seine, elle est propre. Pour sortir avec trois maladies. N'importe quoi. Je comprends pas le... Bah parce que quand ils ont dit qu'ils allaient faire nager les sportifs dans la Seine, tout le monde a dit « Mais elle est dégueulasse, la Seine. » Ce qui est le cas. Et du coup, ils ont dit « Non, la Seine, on vous le montrera, on se baignera nous dedans. » Ouais, j'adore ça. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je sais pas, peut-être parce qu'après si je veux refaire une autre couche. Donc je vais déjà mettre ça au frais. Vous voyez là, j'ai vu qu'il y a un petit bout. Le dernier aussi, ouais là, ouais, nickel. Ça sent propre. Ça sent des moules de bonne facture. Donc là, je vais mettre au frais et comme ça, je vais repasser une petite couche après. Je pense qu'on est pas mal. J'ai pas envie de me risquer de faire les autres. Je préfère garder un petit peu de chocolat. Là, on en a déjà 9. Hein, oh, c'est déjà bien. Au frais ou au congélateur ? Non, je vais mettre au congélateur. Bah c'est pour ça alors. Bah oui. Eh ben d'accord. J'ai mal calculé. Hello. Alors du coup, là, je vais ajouter l'arôme de vanille. Hop, une et deux. Ça va bien et toi? Et là, on remet 3 minutes à 60 degrés. Toujours en vitesse 3. Hop. Alors, une vidéo ou un live des moules accessoires que tu utilises le plus. Alors, j'avais déjà fait, mais oui, on peut voir, oui. La recette la plus compliquée que j'ai faite. La plus compliquée, franchement, je sais pas. Le bavarois. Ouais, bavarois. Bavarois, il t'en a chié. Il était bien, mais c'était beaucoup d'étapes. Beaucoup parce qu'en fait, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de prises au froid, c'est beaucoup de plein de choses. Qu'aujourd'hui tu as la vie dont tu as toujours rêvé. C'est étrange comme question. Gâteau chiffre, non. Déjà, les gens qui rêvent leur vie, c'est des gens qui ne profitent pas de l'instant présent. Parce qu'ils sont toujours dans l'attente de quelque chose. Et comme ça, tu ne peux pas être heureux. Le bonheur, il se vit, il s'apprécie à l'instant T. Tu manges les sushis avec ta femme dans ton lit, c'est le bonheur. C'est bon. Bah non, c'est vrai. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Ouais, les number cakes, non, c'est vrai, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est long. C'est pour cuire 4 fois la génoise, du coup. L'œuf de Pâques, il semblait hyper compliqué. Bon, c'est une coque en chocolat. Non. Bah écoute, oui, parce qu'au final, bah, je fais ce que j'aime dans la vie.
On a notre maison, on a notre famille, on est relativement en bonne santé. Oui, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que... Après, forcément, il y a des gens qui diront on veut toujours plus, on veut ci, on veut ça. Oui, il y a des petites choses qu'on aimerait changer. Par exemple, forcément, tout ce qu'on peut subir et tout ça, c'est pas forcément la vie rêvée. Mais je veux dire, il y a tellement d'autres choses à côté. Comme il a dit, comme il dit Adrien, il faut se rendre compte, en fait, à l'instant T. Donc c'est vrai qu'on le fait pas toujours forcément, mais on devrait... On a la chance de pouvoir être. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde mes nerfs. T'es trop bizarre. Non, je regarde les tendons au bras, comment ils fonctionnent. Je trouve ça passionnant, regarde. Tac, 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 tac. Je trouve ça rigolo. Bah, vous savez, hier, j'ai entendu une phrase. J'ai dit à Adrien, j'ai dit putain, c'est beau. En fait, c'est la nana qui disait, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a beaucoup de haters, etc. Et cette femme a dit, elle a dit aux journalistes, vous savez, j'ai trois filles et mes trois filles m'aiment à l'infini. Et elle a dit, du coup, ben, c'est tout ce qui compte en fait. Donc même si il y a des millions de gens peut-être qui ne l'aiment pas, elle a dit, moi, tout ce qui m'importe, c'est que mes enfants, ma famille m'aiment. Et eux, ils croient en moi. Et j'ai dit, Adrien, mais c'est totalement ça en fait. Nous, c'est pareil, il y a peut-être tellement de gens qui ne nous aiment pas, qui essaye de nous détruire, mais au final notre famille nous aime, on est bien comme ça, donc c'est tout ce qui compte. Après, si des gens qu'on ne connaît pas nous aiment pas, j'ai envie de te dire. Oh, c'est beau. Oui, c'est Magali Berda. Oui. C'est Magali Berda qui l'a dit. Donc c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie, je la connais pas, voilà, genre que je la connais pas, je l'ai jamais suivie, rien du tout. Je suis juste tombée sur cette interview hier. Et du coup, elle a dit ça et j'ai dit à Adrien, j'ai dit, tu vois, je l'apprécie pas forcément, je la déteste pas, je l'aime pas, j'ai juste aucun avis sur elle puisque je ne la connais pas. Mais en tout cas, la phrase là qu'elle a dite, je la trouve vraie. Et c'est vrai que bah, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Donc, peu importe en fait le nombre de gens qui peut ne pas nous aimer, je veux dire, tant que notre famille... nous aime, voilà, on a nos enfants, nos parents, nos amis. On n'a pas besoin des autres en fait. Pourquoi on devrait se soucier de personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous apprécient pas? Non, on s'en fout. C'est beau ce qu'il a dit là. Une fois, j'ai envoyé un message à mon mari juste pour lui dire merci d'être là. Non, je regarde pas Europe 1, c'est juste sur 20 minutes que j'ai vu pour la scène. Alors, voyons voir ce que ça donne ça. C'est rigolo. Ça sent bon, hein. C'est ta guimauve. Ça sent bon. Hein. Je suis pas fan de la guimauve à la base. Oh putain, elle est bonne. Oh, trop bien. Je suis pas fan, hein, mais elle est bonne. Hein. Mais elle est chaude par contre. Hein. Faut qu'elle refroidisse, c'est ça? Bah oui, c'est à 60 degrés, chérie. Mmh. Remis à jour ton site, quel site? Harcèlement ou pas le temps? Des choses plus importantes à faire. J'ai écouté aussi son interview. Oui, franchement, c'était bien. Enfin, après. Comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un que je connais, donc je vais pas dire que voilà, la personne en elle-même, concrètement, je m'en fous, je la connais pas, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle dit, mais l'interview là, la phrase là, en tout cas, je peux donner mon avis, et c'est, je trouve ça très bien, voilà. 95 ou 56? 95, 56. Tu vois le verre à moitié vide, on va voir à moitié plein. On sait c'est quoi la vraie valeur, mais du coup, moi j'ai envie d'être content, donc je regarde ça. Sauf que ça va passer à 55, je vais t'en regarder. Ça sera 22 dans l'autre sens. Selon comment tu vois les choses. C'est bizarre. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai pas mis en bout de... Ah oh bah alors ça je m'en sers pas, donc je ne sais pas. Bah non, mais c'est dans le lave-vaisselle et après c'est mis... Si, il y en a plein là. Où. Oui, mais c'est pas ça, il y a un bout qu'on met à l'intérieur. Vous voyez pas? La dernière fois j'en avais retrouvé un dans le lit.
Mais t'as vu que t'es dans l'évier. Bah il est là. Il y a 10 jours comme ça. Il y a tout qui me vient. Quoi? Rien. J'ai pas le droit. Je fais ce que tu veux. Ouais, moi aussi j'ai hâte de les voir finis. Ouais, c'est la première fois que j'en fais. Arrives-tu à être précise avec tes jeux de maison? Oui, j'y arrive. Donc, je vais voir mes options. Je pense que j'ai pas besoin de remettre. Une couche? Oh, ils ont l'air bien épais quand même. Ah, je suis donné un petit trou. Ah, je trouve que tu vois. Si tu veux être sûr, remets un petit coup et puis voilà. Non, ça m'a l'air trop mal parce qu'après ça va. Le temps que le truc elle refroidisse, non? Bah non, justement, elle va refroidir. Et elle va durcir? Bah oui. Ah oui, puis. Regardez la texture, elle est vraiment bien. Mais il faudrait pas du chocolat pour fermer? Bah c'est ce que je me suis dit. Dans la vidéo, ils mettent pas de chocolat, ils la laissent cul nu. Si. Bah voilà. Mais du coup, j'en aurais pas assez, hein, du chocolat. Bah, il y en a encore, de toute façon, s'il y a besoin. Attends, 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 je vais t'aider. Alors, j'ai fait ta recette qui nous fait. Ah, ça c'est cool. Ah, je sais pas où foutre. Bah, mets-le dans les billets. On met encore dessus. Bon, je l'ai posé là pour le reprendre au cas où. Vas-y. Donc, ah, tu vois qu'elle est bonne. Là, je vais pouvoir remplir mes petites empreintes. Non, oh, c'est rigolo, hein. On voit là. Ouais. Oui, tu peux. Tu décales un petit peu comme ça, j'ai. Ouais, voilà, nickel. Le fabricant de chocolat devrait te sponsor. Même moi qui nous envoie 50 kilos. Ouais, grave. En tout cas, la texture est vraiment bien. Je suis contente. Mais bon, non. Ouais. Pas fan normalement de la guimauve. Ça ressemble beaucoup aux. Tu sais, les pots. De chamallow, chamallow là. Ouais. Je sais pas, mais jamais. Les pots de pâte à tartiner chamallow là. Je connais pas. Bon, c'est ça quoi. Mais c'est pas fait maison. Oh putain.
assez. Oui. Bah, normalement, c'était pour tous. Hein. Ouais, ouais. Tu les as bien gardés. Hein. Le fluff, ouais. Ça, ouais. C'est ça. Mmh. Oui, c'est les pots de guimauve, en fait. Mais c'est marqué chamallow, machin, et tout dessus. D'accord. Ma soeur, elle adore ça. J'imaginais ça moins liquide. Bah après, ça va durcir. Hein. Du coup, il faut que je refasse fondre du chocolat. Ouais. Il est là-bas. Il est là-bas. Je vais le chercher. Il n'y en a pas là ? Non, je vais regarder. Là. Bah non, t'as utilisé hier. Ah non, c'était du lait. Et c'était du lait qui avait ouvert. Bah du coup, faudra en racheter pour demain. Mmh. Je passe quoi ta recette demain ? T'as du chocolat ou pas ? Non. Dis celle d'après-midi ? Bah c'est moelleux à la vanille, après je sais plus c'était quoi. Je te mets au bon fond ? Oui. Je t'en mets combien ? La moitié de la plaque ? Oh non, je mets la plaque. Hein. Ouais. C'est pas grave, je le remettrai dans les livres. Ouais. Mon pantalon, je sais pas. On me l'a donné. Vous savez, c'est rare que j'achète des habits, moi. Non, mais Lizzie, zéro abonné, ça va être fort. Du coup, oui, ça durcit. Vous voyez la guimauve, elle se fige là. Au début, c'est liquide, c'est normal, c'est chaud. Après, elle va. Lizzie, elle a pas assez d'un vlog d'une heure par jour, deux facecam, un live tous les deux jours pour assouvir sa curiosité malsaine. Qu'elle vient encore poser des questions. Quoi ? Ouais, là, je vais recouvrir de chocolat. Et après, on pourra remettre au frais, du coup, à peu près une heure, une bonne heure, pour vraiment bien que ça pige. J'ai 25 ans. Ça va et toi? Lizzie, je comprends pas c'est quoi ton problème. On te dit qu'on parle cuisine, tu peux parler de certaines autres choses, effectivement, mais pourquoi toujours des questions comme ça, en fait, je comprends pas. Des moules licornes? Je sais pas du tout. Ouais, c'est calme, hein. Bah, ils jouent dehors, hein. Ils sont à leur cabane. Je sais pas, oui, je crois qu'il y avait une recette Cyril Lignac. Mais c'est pas la recette Cyril Lignac en tout cas. Merci pour la rose. Je rincer ma spatule.
Bah, elle est plus là, Lizzie. Enceinte, je pleurais pour manger les oursons avec guimauve et supplier mon conjoint d'en acheter. Ah oui, carrément. Bon, là, du coup, j'ai refait fondre, enfin, Adrien a refait fondre du chocolat. Mais là, du coup, je me dis, je vais mettre sur la guimauve, mais ça va se mélanger, non? Non, c'est pas prévu, non. Je me dis, si là, je verse dessus. Bon, je sais pas, écoute, c'est écrit comme ça, alors... Je vais faire ça. Ah non. Non, vous voyez, ça a bien durci en fait. La guimauve. C'est vraiment pas mal, hein. On est bien, on est bien. Du coup, je vais juste un peu. Oh, trop bien. C'est trop satisfaisant, en fait. Franchement, si ça réussit, je suis trop fière de moi. En plus, il faudrait que je calcule combien ça m'a coûté. Parce que c'est pas donné, hein, les oursons guimauve. Hein. Mais je pense que clairement, là, on est moins cher. Hein. Parce qu'en plus, quand tu vois la taille des oursons comparée à ceux que tu achètes dans les paquets, là. J'aimerais bien avoir une petite dame comme toi à la maison pour préparer des desserts. Si j'aimerais bien avoir une petite dame comme moi à la maison qui... Bon, en plus, ouais, c'est assez rapide. Là, comme dit, bon, je suis pas... J'étais pas trop à l'aise parce que c'est la première fois. Mais tu vois, par exemple, si je devrais en refaire une autre fois, je serais beaucoup moins stressée du coup. Et puis forcément, hein, c'est comme tout, à force de le faire, et ben, tu es t'es plus à l'aise, tu vas plus vite, etc. Hein. J'en remets un peu là pour bien remplir. Et voilà. Bon, je trouve qu'on est bien. Bon, on va remettre ça au frais. Du coup, il faut laisser à peu près 30 minutes. Ce qu'ils disent au réfrigérateur, une heure. Donc là, au congèle... à peu près 30 minutes, donc je vais aller le mettre tout de suite. Oui. Oula. Alors. J'ai besoin d'éteindre le bougie parce qu'elle est débordée. J'ai rien fait. Il y a besoin d'éteindre la bougie. Oui, éteindre, c'est bon. Pourquoi chaque fois qu'on allume des bougies, ils viennent demander s'il faut les éteindre? Ah,
celui-là, c'est celui qu'Adrien a testé. Oui, il est trop kiki. Attendez, j'ai pas pris de plateau. Ouais, sur son guimauve. Oh, gros kiki. C'est beau, hein? Ouais. Son papillon, il n'a jamais vu ça. Oh, il en mangera pas, là. Oh non! Tu l'as décapité. Pas grave, on pourra voir l'intérieur. Bah oui. Elles sont grandes. Ouais, vraiment. Et il est où là? Il rigole avec son truc? Hey, on n'a pas dit il y a 3 minutes, tu ne rentres nulle part avec ça. Oui, tu es dans le jardin. Bah oui. Il n'y a pas assez de place de. Trop bien. Voilà, tu avais peur de te rassurer. Ouais. Ils sont bien gros, hein. Je pense que quand on a mangé un comme ça. Calé, hein. Par contre, quand tu t'en sers plus, t'éteins ta télécommande parce qu'à chaque fois, c'est moi qui l'éteins la télécommande. Ouais, une recette de plus validée. Et puis, c'est une recette qui change. Non, je les ai achetés au magasin. Tu vois, j'ai ouvert le paquet, je les ai transférés dans le moule. Oui, ça dépend si t'es gourmand. Bon, bah là, c'est sacré, là. Mais ils sont épais quand même, hein. On dirait un garçon. T'as choisi un papier. Merci pour le follow. Bon, on va prendre celui qui était décapité pour voir l'intérieur. Regardez. Tu veux goûter? Oh, la coque est énorme. Oui. Oh, c'est un supermarché, hein. Attendez. Oh, elle est comme bon. Ça. Ouais, franchement. T'es chou brassif, hein. Merci beaucoup pour le follow. Voilà, du coup, je vais vous laisser. Il faut que je me lave les mains. Il faut que je range la cuisine. Il faut que je fasse mon ménage. Donc, je vous ferai une petite photo qui sera sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est Influence Gourmande au pluriel. Oui, je fais des recettes. Alors, les recettes sont dispos sur Influence Gourmande sur Instagram et sur Adrien Laura Vlog et Blabla. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, tout ça, vous savez, vous connaissez. Voilà, donc à demain pour une autre recette et puis bon après-midi.